Dites-moi, elle fait plutôt un joli bruit pour un taxi. Connaisseur? Amateur. J'ai récupéré un V6, après je l'ai vitaminé un peu, quoi, histoire de lui faire la voix, parce qu'un V6, ça ne demande qu'à chanter. Enfin, chanter, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein, c'est limité à 50 partout, là. Vous parlez des panneaux, là, où il y a marqué 50? Ouais. Moi, je croyais que c'était pour les skateboards. Non, je crois que c'est pour tout ce qui roule. Hein. Ouais, mais il y a rouler et rouler. Vous voyez, là, par exemple, je suis à 100. Bonne caisse, bon pilote, c'est tranquille, sans risque. Je suis quand même beaucoup moins dangereux, là, à 100, que la bouse qui arrive à 20 km/h, regardez. Vous avez vu? Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. Vous avez pas peur des radars? Vous savez, monsieur, on sait où ils sont, les radars. Les poulets, ça aime pas bien le changement, hein. Ça picore toujours au même endroit. D'ailleurs, vous allez voir, il y en a un, là, un peu plus loin. Regardez-les, tenez, vous les voyez? Ah, ils sont pas fut-fut, hein, quand même. Photo! Non, mais vous savez, eux, ici, ils peuvent rien. Ils font qu'obéir au système, c'est tout. Ils ont signé. On les a pas obligés. Quoique, des fois, je me demande si on les a pas obligés, parce qu'il faut vraiment être con pour signer chez eux. Écoutez... Moi qui les vois souvent, là, à cause des ordinateurs, et ben, je dois dire que l'image que j'avais d'eux avant était assez fausse. Ah ouais? C'est pire que ce qu'on dit, alors? Non. Non, c'est plutôt mieux, même, enfin... Je veux dire, vous savez, il n'y a pas que des abrutis dans la police. Ah, bah, j'en suis sûr. Il y a aussi des alcoolos, des escrocs, des idiots. Non, sincèrement, monsieur, de vous à moi, vous connaissez un de vos amis normalement constitués qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et chauffeur de taxi, alors? Comment ça? Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous? Ces gros râleurs là qui vous prennent que quand ça les intéresse? Qui vous engueulent quand vous avez pas la peau ou que le pourboire n'est pas leur goût? Hein? Et puis alors vas-y que je te picole dans les cafés à te faire exploser un alcotest, hein. Vas-y que je te râle sur l'OM, la sécu, et puis avec les flics, hein. Et bah sécu et chemise avec les flics, les rois des balances, fournisseurs officiels. Et alors pour peu que le gars soit marié avec une concierge, c'est la totale, là vous avez un couple gagnant là. Vous êtes pas marié avec une concierge au moins? Non. Et bah vous me rassurez là. Écoutez, il y a peut-être effectivement quelques chauffeurs qui sont un peu rudes avec la clientèle. Mais ils sont pas tous comme vous le dites, là. Eh ben alors, acceptez au moins que dans la police, ça soit la même chose. Ils sont pas tous bourrés à 6h du mat' en train de s'acharner sur un maghrébin qui a rien fait, hein. Y en a qui font leur métier, monsieur, comme vous et comme moi. Peut-être. Ouais, peut-être. Problème, c'est que chauffeur de taxi, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Est-ce que vous faites le taxi juste pour le plaisir, vous, c'est ça? C'est quoi votre vrai métier, alors? Eh ben, je vais vous montrer. Hé! Je me sens pas bien là. N'inquiétez pas, tant qu'on roulera, il n'y aura rien qui sortira. Oh bah merde. Oh, je suis désolé monsieur. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, les clients ils sortent, ils font quelque part et ensuite seulement. Je suis désolé monsieur. Je vais vous faire une confidence. Moi non plus, c'est pas mon vrai métier. Ah bon? Oh non. Oh si.